Hey Pierce, j'atterris au QG. Le colonel Green va vous manger tout cru. Ok Pierce, va voir le colonel Green et occupe-le. J'emmène Summers par là, prêt? Vous attendez, capitaine. Toi, où est le reste de tes hommes? Je ne vais pas t'expliquer la discipline dans l'armée. Je t'ai donné un ordre direct. Je ne vais pas accepter qu'un cow-boy des forces spéciales mette en péril cette mission. Nous avons... Et c'était quoi, ça? Appelez la police militaire. Allez voir ce qui se passe là-bas. Bon sang, on a que des emmerdes! Pierce, allez au centre de recherche. On a besoin de vous. Ambrose! Viens! Au centre de recherche! Summers, c'est un des leurs, mec! C'est un revenant! Cette espèce d'ordure! Vous devriez aller inspecter ça. Pierce, on a un problème. Posez votre arme. Amenez-moi l'équipe de recherche! Ils ont encore du travail sous votre dôme de confinement, dans les profondeurs obscures. Salut, Pierce! Ce sont des gens! Pas des objets. Pourtant, ça vous a pas empêché de m'utiliser pour vos expériences. Vous avez blessé Grayson. Il peut mourir. Aidez-le, comme vous m'avez aidé. Videz-le de son sang et injectez-lui quelque chose de mieux. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Dites-le-moi. Vous plaisantez. Je fais ce qu'on m'a appris. Je protège le monde de la tyrannie et des régimes corrompus. Posez votre arme, Summers. C'est un ordre. Je n'obéis plus à vos ordres. Vous êtes un soldat américain. Mais maintenant... On est ennemis, toi et moi. La guerre a été déclarée en brûlant une brèche dans votre précieux dôme. En brûlant le ciel, même. Ça commence. Dépêche-toi, Pierce. À toi de sauver la mise. Et garde un œil sur ces bouchers que tu appelles. Équipe médicale.
mon Dieu! Occupe-toi des snipers sur le toit. Je vais voir Grayson. Chirurgical. Pierce, occupe-toi des snipers, couvre-nous. Ils sont incrustés dans les rochers. Descends-les. Ils sont incrustés dans les rochers. Descends-les. On avance. D'autres snipers. Pierce, tu glandes ? On avance ! Ils sont partout ! Je ne peux pas sortir ! Sur le pont! Putain, j'ai encore trois snipers sur le dos, Pierce! Plus deux! Il en reste un! L'infirmerie est prise d'assaut! Par ici! Courez! Pierce! Les revenants nous ont coincés dans la tente médicale! Ramène-toi, merde! Hé, hey, que se passe-t-il? Ils sont dehors! Merde, ils sortent tous, là? On n'a jamais eu affaire à ça. C'est des guerriers 4.0.
Depuis quand on a ce genre de problème aux États-Unis? Personne ne rentrera ici! Tirez pour tuer! Faut fermer les points d'entrée. Ils sont en train de tout faire sauter! Je peux placer une charge sous ces conduits. T'as qu'à donner l'ordre, Pierce. Ok, je m'en charge. Bonne nuit, enfoiré. Celui-là, il est à moi. Capitaine Pierce, contact ennemi dans l'armurerie. Allez-y immédiatement. Suivez-moi! Je ne suis pas un soldat! Il est en état de choc! À toi, chef. On y va! Chacun pour soi! Tout le monde aux abris! Eh ben, de mieux en mieux! C'est ça votre plan, Pierce? Évacuation générale de tout le personnel. Ah! Sortez maintenant, j'arrive pour pas. Votre sécurité. Nous ne pouvons pas vous protéger. Évacuation générale de tout le personnel. Sortez maintenant, c'est pour votre sécurité. Nous ne pouvons pas vous protéger ici. Ashley!
fille de sport qui crée les créatures que nous appelons chasseurs. Alors, comment on les détruit? Visez les orifices. Les tissus sont moins résistants. Il suffit de viser les orifices pour abattre ce cette ça. Thank you.
rien, chef. Vieux, tu devrais être dans l'hélico et aller à l'hôpital. Grayson, vous avez perdu beaucoup de sang. Il faut juste quelques points pour que ça tienne.
Je m'en fous si c'est mon dernier combat. Summers va y rester. Ramène-toi ici, Pierce. Je devrais vous faire arrêter. Vous avez amené cette chose dans mon camp. Et vous avez désobéi à un ordre direct. J'avais dit, ne tirez pas pour tuer. Et on devait faire quoi, alors, hein? Le Pentagone les veut vivants. Peu importe le prix. Vous répondrez de vos actes. Comprenez ceci, soldat. Si vous cherchez un coupable, c'est elle. Elle savait ce qui se passait dans le détachement 3. Elle n'a rien dit. J'avais aussi mes ordres, colonel. C'était une opération clandestine. On ne pensait pas qu'il pouvait s'échapper du complexe de recherche. On a eu tort, mais je sais à quoi on a affaire. Vous devez m'écouter, colonel. Les chefs d'état-major pensent pouvoir sauver le programme revenant. Mais c'est impossible. Vous voyez bien ce qui se passe. La seule façon de les stopper, c'est de les tuer. Tous. Vous voulez que je m'oppose à la hiérarchie? Pour violer une initiative stratégique mise en place par le secrétaire à la défense en personne? Je veux que vous sauviez vos hommes avant qu'il soit trop tard. C'est ridicule. Des renforts arrivent. Cette chose ne résistera pas beaucoup plus longtemps. J'ai mes ordres. Vous êtes tous confinés dans la base jusqu'à nouvel ordre. Exécution! Il faut qu'on arrête ce désastre. Ouais, je pensais jamais dire ça, mais ça sert plus à rien de suivre les ordres. Il faut s'occuper de Summers. Bien vu, mec. Mais pas avec elle. Qu'est-ce que vous faisiez avec le matos qu'on a trouvé en Irak? Oubliez l'Irak. Il faut se concentrer sur Summers. Il a ramené l'équipe médicale au complexe 3. Il veut les obliger à terminer ce qu'ils ont commencé. J'en suis sûre. Je peux vous guider jusqu'au bâtiment, mais c'est à vous de l'arrêter. Désolé, poupée, mais pas question. Vous croyez que vous avez le choix? Écoute, Grayson, on a besoin de son aide. Comment on fait pour se tirer d'ici? Je connais quelques pilotes. Ils me doivent une faveur. On peut voler avec eux. Mais je ne veux pas d'elle dans mon engin. Et ça, c'est mon choix, ouais. Allez, Pierce. On trouvera un transport au dépôt. Nous prendre. Négatif, Echo. J'ai des politiciens à bord. La mission est réussie. Allez, 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 allez! Wow! La pépette n'est pas de bonne humeur!